mais ça s'était bien passé comme ça. Vous savez, la première fois que nous avons dansé ensemble, j'étais tellement nerveuse que j'ai trébuché, j'ai frôlé la catastrophe. C'est vrai, je vous assure. N'est-ce pas, mon cher? Ce n'est pas l'exacte vérité. Tu sais qu'en fait, c'est moi qui me suis affolé et je t'ai bousculé. Vous vous êtes fait pardonner ensuite. Oui, c'est vrai. Charles. Monsieur Hornsby, est-ce que je pourrais échanger quelques mots avec vous? On vous demande d'urgence au téléphone. C'est Madame Hart. Elle dit que c'est grave. Veuillez m'excuser. Chérie, tu ne t'en vas pas, j'espère? Le devoir m'appelle. Je m'absente un moment. Excusez-moi. Dites, vous avez vu comme il est beau. Il se conduit comme s'il était déjà nommé Premier ministre. Eh bien, vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous l'avez vu. Mon cher monsieur, je ne suis pas mariée. Et quand cela s'est-il passé, Madame Hart? C'est arrivé ce matin, au moment après qu'il se soit levé. Vous êtes sûre qu'il n'a pas voulu aller se promener? Non, il n'est jamais parti si longtemps de la maison. Il n'est jamais parti pendant toute une journée. Avez-vous averti la police? Oui, et elle fait des recherches, mais jusqu'à maintenant, elle n'a rien trouvé. Rien du tout. Vous pouvez compter sur moi pour quoi que ce soit. Pour toutes les dépenses. Oui, oui, ça je le sais. Et surtout, tenez-moi au courant. Je veux être prévenu dès qu'on l'aura retrouvé. Dans un moment, il sera là, mais oui. Vous verrez. Je vais faire tout ce que je peux de mon côté pour vous aider, Madame Hart. Tranquillisez-vous. Faites-moi confiance. Non. Quelque chose d'important, Michel? Non, ce n'est rien. Nous ferions mieux de repasser au salon. Oui, si tu veux. Je voulais ramener, vous voyez. Déjà appelé au ministère, Michel? Ce serait une bonne surprise. Appelle la plus grande admiration, McGill. Merci. Bon, il faut dire que je passe mon temps ici, John. Hey, si vous voulez que je fasse quelque chose en votre faveur, auprès de votre ancien service. Non, merci. Pour l'instant, n'oubliez pas votre pari. Il était de 10 livres, je crois. Ah oui. McGill, est-ce que par hasard un petit travail pour moi vous intéresserait? Ça dépend surtout de quel genre de travail et du prix qu'on m'offre pour le faire. Ça, ça n'est pas un problème. Vous voyez, ce n'est pas exactement pour moi. En fait, c'est pour un vieil ami. Un ami très important, il faut vous le dire. Ils habitent à Norton, tout près de la côte. Vous connaissez l'endroit? Non. Madame Hart était la gardienne de cette maison quand sa fille est morte. Non, bien sûr. Elle est partie habiter là-bas pour s'occuper de son petit-fils. C'est le petit qui a disparu, je crois. Oui, c'est exact. Stéphane. Est-ce que Madame Hart a prévenu la police? Bien sûr. Mais elle n'a trouvé aucune trace de lui, rien du tout. Et il est très jeune, vous savez. Ça fait longtemps que les recherches durent? 4 jours. Je ne vois pas où est votre intérêt. Oh, je n'en ai pas, mais j'estime avoir des responsabilités envers Madame Hart. Parce que vous l'avez fait travailler? Oui, c'est ça. C'est tout? La pauvre femme est seule et a besoin que quelqu'un l'aide. Et le père, vous le connaissez? Non, je ne l'ai jamais connu. Il est parti quelque temps après leur mariage. S'il y a eu mariage. Il peut être soupçonné? Non, il a disparu depuis des années. Alors, si j'ai bien compris, vous aidez votre ancienne gardienne et son petit-fils par un effet de votre gentillesse. Je n'ai aucun motif supérieur qui m'oblige à le faire, c'est exact. Ah, ouais, ouais, bien sûr. Je comprends très bien. Parce que moi aussi, j'aide les autres. C'est différent? Oui, par intérêt. Et pour combien? Ça dépend de mon travail. Mon ami m'a prévenu que vous étiez exigeant, c'est vrai? Oh, votre ami devait être bien renseigné. Vous voulez vraiment le retrouver?
Je veux que vous ayez l'impression d'avoir tenté tout ce qu'il était possible pour y arriver. Qu'est-ce que je devrais faire? Ça vous regarde? 100 livres par semaine, plus les dépenses. Plus 1000 autres si je retrouve le gamin, et encore 2000 autres s'il est vivant. Dans le cas contraire, c'est vous qui allez payer les frais d'enterrement? Si vous voulez, je pourrais aussi m'occuper des démarches. Je ne m'étonne plus que les services qui vous employaient aient jugé qu'ils pouvaient se passer de vous, quand je vous écoute parler. Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous voulez que j'aille à Norton cet après-midi, monsieur? Oui, mais... Madame Hart. Vous ne voudriez pas repasser un autre jour? Dites-lui que McGill est ici. Je ne sais pas. Qui est-ce, Mason? Il dit qu'il s'appelle McGill. Oh, vous savez, monsieur, vous auriez pu venir un autre jour. Son petit-fils a disparu. Madame Hart. Ah, Dieu merci, je m'impatientais. Je suis désolé, Violette. Je voulais éviter que tout le monde vous dérange. Je vous suis très reconnaissante, Kenneth, mais je vous demande de ne plus perdre votre temps. Oh, je ne perds pas mon temps. Je sais qu'en de tels moments, on a besoin de présence. Je vous verrai demain, alors. Comme il vous plaira, Violette. Et surtout, n'hésitez pas. Appelez-moi à n'importe quelle heure. Merci, Kenneth. Merci de tout mon cœur. Oh, monsieur McGill. Juste McGill. Avez-vous quelque chose à m'apprendre? Non. Je suis arrivé en ville il n'y a que 2 heures. Oui, bien sûr. Asseyez-vous donc. Je ne suis pas du tout fatigué. Monsieur Hornsby m'a téléphoné que vous alliez venir. Il est vraiment trop gentil. Il a toujours été très gentil envers ceux de ma famille. C'est ce que je vois. Croyez-vous qu'il reste des chances de retrouver le petit en vie? Je le souhaite. Je voudrais vous donner toute l'aide dans mon pouvoir. Je répondrai à toutes les questions que vous poserez. Merci. Si j'essaie de résumer tout ce qu'on m'a dit au village et aux alentours, le jeune Stéphane a été vu la dernière fois tout près du vieux moulin où il allait souvent jouer. Oui, c'est exact. Il allait jouer là-bas très souvent. Et vous n'avez eu aucune nouvelle de lui depuis ce jour-là? Non, aucune nouvelle. Oh, j'ai là une de ses photographies les plus récentes. Elle date de la semaine dernière. Je l'avais sortie pour que vous la voyiez. Elle ne peut être utile qu'à vous parce qu'ici tout le monde connaissait Stéphane. Oui, tout le monde. Oh. Il a l'air d'un gentil petit. Tenez, voilà quelques-unes de ces affaires qu'il mettait souvent. Tenez. Je n'en aurais pas besoin. J'avais cru que vous aimeriez avoir une description assez précise. Je vous ai aussi sorti ses cahiers pour vous montrer son écriture. Il fait encore des fautes d'orthographe, mais ça lui passera sûrement avec les années. Oui, je vois. Il avait un chien. Un de ces vieux chiens errants qui traînaient toujours dans les environs, mais il est mort il y a 2 semaines. Et c'est curieux, j'ai la sensation que s'il n'était pas mort, tout se serait déroulé différemment. Est-ce que vous voulez en savoir plus long au sujet du chien? Non, merci. Oh, je vois. Vous n'êtes pas différent des autres, ceux qui sont venus avant vous. Vous restez là à m'écouter bavarder et moi je vous raconte des choses inutiles. Je ne sais pas où il est et en plus je ne vous dis rien qui puisse vous aider. Non, c'est faux. Oh, quoi? Mais que voulez-vous dire? Je voudrais savoir pourquoi M. Hornsby, quand je suis parti, a insisté pour que personne ne sache que je travaille pour lui. Acceptez-vous. Oh, ça c'est sa manière d'agir. C'est-à-dire? Il a toujours essayé de ne pas ébruiter dans la presse ses bonnes actions. Il ne veut pas qu'on le sache. C'est un authentique philanthrope? C'est un homme d'une grande bonté. Je crois que c'est une des plus rares qualités. Vous ne trouvez pas? Oui, peut-être. Mais ce n'est pas une des miennes. Je reviendrai. Je sais que nous pourrions employer des procédés plus modernes, mais de cette manière, tout le monde a l'impression de se rendre utile. De toute façon, s'il est dans ces marais, ça ne ferait pas la moindre différence. Jusqu'où avez-vous poussé les recherches? Nous sommes allés jusqu'à Kimbley au nord, Mariton au sud, jusqu'au bois à l'est et à l'ouest. Mais ce pauvre petit doit être dans les environs. Nous le retrouverons beaucoup moins loin, je pense. Dans un trou d'eau ou dans une vieille carrière.
N'importe où. Alors vous ne lui accordez aucune chance? Pas tellement, hélas, mais je ne veux pas m'avancer. Vous croyez pourtant qu'il est mort? Vos lecteurs auront le loisir d'espérer qu'il ne l'est pas, mon cher monsieur. Oh, mes lecteurs ont le temps. Allez, venez un peu dans cette direction, le courant l'a peut-être emporté. Rien du tout. Ah, merci. Est-ce que tu pourras revenir continuer les recherches demain, de bonne heure? J'avais envisagé d'aller finir mon labourage demain matin. Mais tu sais, c'est pas une partie de plaisir pour chacun de nous, Tommy. Bon, j'y viendrai. Vous devez être Monsieur McGill. Oui, je crois. Et nous nous sommes rencontrés tout à l'heure chez Madame Hart. Vous vous en souvenez? Mm-hmm. Oui, vous savez, nous sommes tous très touchés par ce qui arrive à Stéphane. Nous considérons tous Madame Hart comme notre protégée, et vous me comprenez, et le petit aussi. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Non, vous le savez bien. Oui, mais je voulais en être sûr. Est-ce que il y a un journal imprimé au village? Oui, c'est ici que nous imprimons le journal régional. Il couvre presque tout le district. Pouvez-vous me dire où il est? Oh, il est juste devant vous. Vous ne pouvez pas le manquer. Attendez. Mais vous seriez gentil si vous m'appreniez le nom du journal pour lequel vous travaillez. Je suis journaliste? Oui, enfin, c'est ce que le sergent Jones nous a dit. Alors, demandez-le lui. Excusez-moi. Me porte sur les nerfs, ce gars-là. Ah oui? Oui, avec toutes ces questions pleines de sous-entendus. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas des bottes pour venir chercher le gamin dans les marais, comme tous les autres? Oh, Stéphane ne signifie rien pour lui, tu sais. J'ai un fils à la maison, moi aussi. Et il risque d'avoir faim cet hiver, si je tarde trop à m'occuper de mon champ. Oh, nous ne pouvons rien faire contre le sort, Tommy. Venez, je vous offre une bière. Merci, non, je dois absolument rentrer. Tiens, je te verrai ce soir. Bon, bon. Ça ne vous est jamais arrivé d'écrire une histoire qui n'avait pas de fin? Eh bien, je crois que voici une occasion. J'ai bien peur, hélas, que ce drame n'ait pas de fin. Bon, je vais aller dormir. Je crois que vous avez tous besoin de sommeil. Allez vous reposer, nous continuerons les recherches tôt demain. Bonsoir. Bonsoir. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus de café pour vous, McGill. Oui, c'est ce que je vois. C'est vous, Tom, je crois. Oui, c'est moi. Et alors? Le sergent Jones dit que vous êtes la dernière personne à avoir vu Stéphane. Oui, je l'ai aperçu. C'est intéressant. C'est pour votre feuille de chou que vous venez m'embêter? Ouais. J'ai déjà raconté au sergent Jones tout ce que j'avais vu. Et je n'ai pas l'intention de le redire. Oh, attendez une seconde. Si je reprends vos déclarations, vous l'avez vu la dernière fois ce mercredi vers midi, c'est ça? Je voudrais savoir comment s'appelle le journal pour lequel vous travaillez. Vous ne devez pas le connaître. Alors quand vous l'avez vu, il se promenait tout seul et il s'amusait. Et à ce moment, tout avait l'air de se passer comme tous les jours. Oui. Je ne l'ai pas regardé plus que d'habitude. Et ensuite, il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas resté à le regarder. Il n'y avait alors aucune raison. Vous êtes sûr d'avoir fouillé les moindres recoins de la région, comme on vous l'a demandé? Où voulez-vous en venir? Je voulais en être sûr. Oui, sûr de vos soupçons. Sûr que j'ai entraîné le gosse dans les bois pour le tuer, c'est ce que vous voulez dire? Non. C'est pourtant exactement ce que j'avais cru devoir comprendre. Oui, c'est vrai, moi aussi. La dernière fois que vous avez vu Stéphane, allait-il dans la direction de sa maison ou alors au contraire plutôt vers les marais? On a déjà répondu à toutes ces questions-là et vous le savez bien. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus sur toute cette affaire? Vous et la presse du monde entier ne me faites pas peur. Vous essayez de trouver des titres fracassants pour les manchettes de votre journal. Et si possible, un bon scandale. Nous adorons tous le petit, et nous avons travaillé jour et nuit pour le retrouver. Et vous, que faisiez-vous? Moi, je posais des questions. Ne vous énervez pas. Détendez-vous, je continuerai plus tard. Non! Allez-y, faites-les tout de suite, vos accusations! Excusez-moi. Bravo, Tony! Allez, vite, fouille-le. Regarde ce qu'il y a sur ces papiers. On commence à savoir qui c'est.
Allez, reculez, écartez-vous. C'est devenu fou. Je ne tiens pas à ce que vous vous calmiez les nerfs sur moi. Arrêtez-le! Ne vous avancez pas! Attention! Attention, il part! N'approchez pas ou je prends la tête du premier d'entre vous qui viendra trop près. C'est un tueur! Oui, c'est ça, c'est un tueur. C'est exact, vous avez trouvé, c'est moi le pire tueur que l'on ait connu. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Oui, un moment, je vous prie. Les erreurs se sont succédées toujours de plus en plus graves, mais malheureusement, leurs prétentions ridicules leur interdisent de reconnaître leur incapacité à résoudre ce grave problème avec l'efficacité qui s'impose. Maintenant, ils ne doivent pas oublier qu'ils sont avant tout citoyens de ce pays. Ils doivent montrer qu'ils ont encore conservé leur idée élevée du patriotisme, laquelle, j'en suis convaincu, les incitera à enfin donner cette démission que nous souhaitons. C'est un très beau discours, tu sais, Michel. Merci. Mais est-ce que tu crois que le gouvernement va admettre la gravité de la situation et son incapacité à la surmonter? Je préfère connaître ton opinion. Tes prévisions politiques ont toujours été plus justes que les miennes. C'est un compliment? Je sais que tu en as l'habitude et que mon humble voix n'a guère d'importance pour toi. C'est faux. Mais tu me parles tellement rarement. Du whisky ou... Tu te défiles encore. Quand nous sommes à une grande réunion avec les caméras et les projecteurs, là tu m'adores. Tu me souris de cette manière si connue, et j'ai l'impression d'être avec toi. Mais dès qu'on retire la foule, les acclamations et les projecteurs, et que nous nous retrouvons seuls, tu me laisses. Comme maintenant. Michel ne t'éclipse pas. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Réponds-moi. Tout ça est ridicule, Dolores. Tous ces jours passés avec moi ont donc été si ennuyeux? A-t-il été si pénible de vivre ces années avec moi? Je voudrais savoir pourquoi tu m'en veux tant. Parce que nous n'avons jamais eu d'enfant? Ou alors est-ce que tu ne veux pas avouer que tu n'as jamais été heureux avec moi? Tu ne comprends pas, Dolores, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Rien du tout, Dolores, ce n'est rien. Et dire que notre union est citée en modèle dans la rue. Tu ne veux toujours rien me dire. J'ai un rendez-vous. Michel! C'est ton bonheur que je veux. Michel. Dis-moi ce qui ne va pas. Écoute, n'oublie pas que je vais avoir 46 ans et que ce n'est pas dans ma nature de larmoyer. Hein, ce McGill qui furette dans tous les recoins de la ville depuis hier me préoccupe, et toi? Oh, il est encore trop tôt pour se préoccuper. Ouais, ce gars-là est différent de tous les autres journalistes. Il n'a pas envoyé un seul article, ni un coup de téléphone. Il se contente de questionner à droite et à gauche et de consulter les journaux, mais il n'écrit pas un papier. Il ne doit pas vouloir se fatiguer. Et en entrant chez Mme Hart, il a dit « Je suis McGill ». Violette l'a regardé et elle m'a pratiquement dit d'aller faire un tour ailleurs. Oui, elle n'est pas polie. Peut-être bien que notre homme a envoyé ici ce McGill et que l'avertissement quand tu aurais son fils s'il bougeait ne lui fait pas peur. Peut-être bien qu'il croit qu'on va attendre longtemps. Peut-être bien. Ou alors... Peut-être que ce McGill est ce qu'il prétend être. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Charles? Dès qu'il faut réfléchir, c'est à moi de le faire. Tu vas rentrer tout de suite? Oh, ben je voulais seulement savoir si vous étiez toujours là. Écoute, ne te montre pas, tu as compris. Oh, ça va, ça va. Doucement, hein. Tu aurais pu trouver quelqu'un qui a un peu plus de cervelle. Rudy, est-ce qu'il nous fallait? C'est ton idée qui est ridicule. Non. Mais si, tôt ou tard, il finira par t'entendre ou te voir, et il faudra le supprimer. Pourquoi attendre? Tu ne le toucheras pas, hein? Écoute, tu ne vas pas aller empocher l'argent et renvoyer le petit chez lui et ensuite reprendre ton ancienne vie comme si c'était jamais rien passé. Tu réalises? C'est un joli rêve qu'il faut oublier très vite. Oh, tu vas pas pleurer, hein, Stéphane? Non. C'est très bien. Oh, est-ce que je peux avoir un livre? Et je sais pas lire. Moi, je sais. Oh, ils n'auront pas de livre ici, de toute façon. Vous connaissez une chanson? Non. J'en connais. Et ils vont mieux te taire. Et ils ne seront pas contents à côté s'ils t'entendent. Écoute, je me moque de savoir depuis quand tu les connais, lui et sa grand-mère et tout le reste. Non, regarde les choses en face.
Tu sais qu'un jour ou l'autre, il nous faudra bien nous débarrasser de ce gamin, quoi qu'il arrive ensuite. Mais tu ne vas... Tu veux te taire rien qu'un moment. Il y a d'abord plus pressé. C'est de tout savoir sur ce McGill. D'accord. Oh. Oh. Regarde un peu ça, papa. Mon jardinier avec son fils. C'est très étrange, j'ai un grand jardin et lui, il a un fils et on me dit le plus riche. Vous allez repartir là-bas demain, je crois? Non, je ne crois pas que j'irai. Et le petit, qu'en faites-vous? Oh, il est mort, à mon avis. Vous en êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Vous ne pouvez rien faire de plus? Rien du tout. Si je m'en réfère aux renseignements qu'on m'a procurés, le garçon n'est plus en vie. Je suis sûr du contraire. Oh, vraiment? Je veux que vous repreniez les recherches. Il n'y a plus aucune raison. Je ne veux pas renoncer aussi vite, pas de cette façon. Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne voulez pas dire? Rien du tout. Vous êtes bien sûr qu'il n'y a rien du tout? Je me suis renseigné auprès de l'éditeur du journal local qui m'a appris que Mme Hart allait à Londres avec Stéphane une fois tous les mois. Ça ne vous rappelle rien? Rien du tout. Pourquoi allaient-ils tous les deux à Londres chaque mois? Je ne pourrais vous le dire. Je le sais. On m'a dit que le petit avait de la famille par ici, un cousin de son père. Et alors? Alors je suis allé à Londres hier soir. Ah oui? Et j'ai réussi à trouver un hôtel où on m'a donné une description de ce soi-disant cousin. Il y a d'autres choses que vous cachez, je suppose. Est-ce que votre femme le sait? Non, personne ne le sait sauf Mme Hart. Et les ravisseurs de Stéphane? Qui peuvent-ils bien être, M. Hornsby? Je ne sais pas, mais ils m'ont téléphoné il y a 6 jours aujourd'hui et ils m'ont demandé 50 000 livres si je voulais revoir Stéphane en vie et ils m'ont défendu de prévenir la police. Alors? Je ne savais pas qu'ils l'avaient enlevé. Alors ils m'ont dit de passer un texte de petite annonce convenue dans le journal quand je serai d'accord pour payer. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai engagé des détectives privés, vous n'êtes pas le premier, vous savez, mais les autres ont échoué. Et vous n'avez rien dit à la police? C'était un trop gros risque à prendre. Oui, et votre carrière ne doit surtout pas être menacée, n'est-ce pas, Monsieur Hornsby? La mauvaise publicité est toujours embarrassante. Que pouvais-je faire? Accepter de payer, et ensuite avertir la police, et avec son accord, passer l'annonce. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Pourquoi? Je n'en avais pas les moyens, Monsieur McGill. Non, c'est vrai, ce n'est pas à moi, c'est à ma femme que tout appartient. L'argent, la maison, les terrains, sans oublier que c'est elle aussi le cerveau. Rien ne m'appartient. Excepté une seule chose, rien qu'une. Mon fils. Mon fils. Il est temps de faire paraître l'annonce. Je ne peux pas. Est-ce que vous avez peur que le journal la fasse paraître? Je ne pourrai jamais amasser une telle somme. Passez l'annonce. Écoutez, supposons que Stéphane soit encore vivant. Si je passe l'annonce et si au cours de l'échange je n'ai pas l'argent, ils le tueront tout de suite. De toute façon, vous n'aurez à vous occuper de rien. J'irai tout seul au rendez-vous. Allez, passez l'annonce. Vous ferez ça? Oui, j'irai. Pourquoi? Je vous l'ai dit, 1000 livres de plus si je réussis à trouver le petit et encore 2000 livres s'il est vivant. Vous aurez quand même assez pour me les payer. Oui, mais... Allez, le journal. Ça y est, regarde, ça y est, ça y est. Enfin, enfin. Il accepte, je t'avais dit qu'il accepterait. Il a essayé d'attendre, mais maintenant, ça y est, lis ça. Chambre à louer, aménagements spéciaux pour un jeune enfant. Téléphonez à Hampstead, 2, 1, 4 et 9. Oh. 2 lignes, elles valent 50 000 lignes. Ah, oh, ça y est, c'est merveilleux. Stéphane ne m'a jamais aperçu ici, ni entendu non plus. Nous lui bandons les yeux pour le faire partir, et puis ensuite, quand nous les changerons, alors je vais continuer à vivre ici, comme toujours, dans ma ville natale. Ah, oui, et quant à moi, je repartirai à Londres. Yopia! C'est le meilleur endroit pour vivre riche. Et pour Rudy? Rudy? Bon, le minable parfait pour ce travail, n'est-ce pas? Quand tout sera fini, je m'en occuperai. Et pour toujours, à nous deux, Monsieur Hornsby. Ça y est, j'ai l'argent. En petite coupure, bien entendu. Oui, c'est fait. Non, non, vous devez comprendre que j'aurais du mal à me déranger. On pourrait me voir là-bas. J'enverrai quelqu'un à ma place. Oui, tout seul. Bien sûr. Mais je précise qu'il faut d'abord montrer le petit pour qu'on voit qu'il est en vie. Je souhaiterais lui parler une petite minute. Laissez-moi lui parler. Pas longtemps.
Je vais dans ma chambre. Il faut que je me repose. Vous ne partez pas ce soir? Demain, ce sera suffisant, vous savez. Oui, il me faudra une voiture de bonne heure. Bon, je vais ranger ça. Bien. Faites de beaux rêves. Bonjour, Monsieur McGill. Je suis Dolores Hornsby. Est-ce que je peux vous parler? Je vous en prie. Je vois que vous êtes prêt à vous en aller. J'avais espéré vous être présenté hier soir. Oh, moi aussi. Je vous connais assez bien, Monsieur McGill. Vraiment? Il y a 6 ans, vous aviez un brillant avenir dans la branche où vous travailliez, jusqu'à ce très malencontreux accident. Certains ont prétendu que vous aviez trahi, n'est-ce pas? On m'a déjà jugé pour tout ça. Oui, je sais. Il fait beau ce matin. Et le fils du jardinier est encore dans les massifs de fleurs. Est-ce que vous réussirez à ramener ce pauvre Stéphane vivant, Monsieur McGill? Je connais très bien Stéphane. Je n'ai jamais été mise au courant officiellement, mais... j'ai tout de suite appris d'abord sa naissance... la mort de sa mère. Je savais, suivant l'expression du visage de mon mari, si l'entrevue de chaque mois avec le petit avait été satisfaisante ou non. Oui. J'ai toujours tout su sur ce pauvre Stéphane. Et aujourd'hui, cette périlleuse situation. J'ai cru au début de la semaine dernière qu'il avait eu un accident, comme il peut toujours s'en produire, mais... quand j'ai aperçu les hommes qu'on avait engagés, et vous ensuite, j'ai tout deviné. C'est un enlèvement, n'est-ce pas? Je vois. Les affaires, hein, Monsieur McGill? Je m'assieds toujours pour discuter affaires. De combien est la rançon? 50 000 livres? Une centaine, alors. Vous savez, j'ai assez d'argent pour me permettre de les payer. Et ne croyez pas que je sois indifférente. Je vous en prie, laissez-moi la verser. Ce sera pareil. Je ne sais pas pourquoi, mais mon mari a changé ces dernières années. C'est difficile à admettre. Il est devenu très différent de l'homme que j'ai épousé. Il ne lui reste rien de son ancienne joie de vivre, de sa gaieté. J'ai peur du mal que lui ferait un crime. S'il arrivait que par malheur il perde son fils, il deviendrait une épave. Je le connais trop. Ils le tueront. Même si je paye la rançon? J'en suis sûr. Oh, c'est donc ça. Quoi qu'il arrive, ils tueront le petit, s'ils ne l'ont pas déjà fait à cette heure. Et vous? Que vous leur apportiez l'argent ou non, ils vous tueront, vous aussi. Ils ne courront pas le risque d'être identifiés par vous, n'est-ce pas? Je dois vous laisser. Combien vous faites-vous payer? Mon tarif habituel. Il y a quelques années, quand nous nous sommes mariés, jamais Michel n'aurait laissé quelqu'un d'autre s'occuper de son petit. Jamais, vous m'entendez? Il serait allé à votre place au rendez-vous qu'ils vous ont donné. Excusez-moi. Qui est là? Oui? C'est moi, oui. Ah, vous voilà, le porteur de la fortune. Oui. Vous avez fait vite. Rendez-vous au café ce soir. Vous savez où il se trouve? Sans armes. Soyez-y à 10h30 et tenez-vous près du téléphone. C'est compris? Oui. Tu l'as déjà vu ici, toi? Oui. Ah ouais, pour vous. Merci. Bonsoir, Joe.
Bonsoir. La même. Monsieur. Une autre. Excusez-moi, un appel très important. C'est pour moi, pousse-toi. Ça va, vous fâchez pas. Allô? Allô? C'est pour la livraison. Je vous écoute. Très bien, voilà. Tout de suite après avoir raccroché, prenez votre voiture et sortez de la ville. Oui, de la ville. Une fois arrivé devant chez Madame Hart, allez à gauche. Vous savez où elle habite? Oui. Au bout de quelque temps, vous verrez apparaître un grand arbre. Le plus élevé. Une fois là, vous laisserez la valise, ensuite vous remonterez en voiture et vous repartirez au café un moment. Juste le temps pour nous de compter l'argent et nous vous dirons où vous pourrez trouver le garçon. Non. Vous n'avez pas le choix. J'ai des ordres très précis pour vous payer. On vous a bien dit de montrer le garçon d'abord et je verserai l'argent ensuite, sinon je refuse. Et si on le tue? Allez-y, dans ce cas, je remporte la valise et la rançon à Londres. Ce n'est pas mon argent. Et ce n'est pas non plus mon fils. Je ne vous crois pas. Ou vous me rappelez dans une minute où je repars ce soir à Londres. Quittez le café dans une minute. J'en ai pas l'intention. Non, 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 nous avons assez discuté, ça suffit. Vous allez monter dans votre voiture et vous allez suivre la route de Mariton vers le nord. Roulez doucement pour qu'on s'assure que vous serez seul. Vous irez jusqu'au village de Gurney. Une fois arrivé là, vous reviendrez par ici. Et vous ferez ainsi plusieurs fois l'aller-retour, d'accord? Patientez un moment. Nous vous arrêtons quand nous serons prêts. Prêts à quoi faire? Vous verrez. Vous me devez encore une bière. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi, Rudy? Ah, tu me l'as déjà demandé. Quand? Bientôt, je crois, Stéphane. Mais ce n'est plus qu'une affaire d'heure. Thank you.
surveille le bien et fais comme convenu. Oui, c'est d'accord. Très bien. Et est-ce qu'il sera bientôt rentré chez lui? Contente-toi de faire ce que je t'ai dit. Sortez de la voiture. Le garçon où je pars. Vous le verrez. Attendez. Envoyez la valise si vous l'avez. Laissez partir le garçon. Il faut d'abord que nous comptions l'argent. J'ai précisé qu'il fallait le libérer. Vous m'avez obligé à passer la nuit à conduire. Je ne veux plus attendre. Oh, ne soyez pas idiot. Si on avait voulu le tuer, vous savez bien qu'on l'aurait fait, et déjà depuis longtemps. Il faut qu'on vérifie si elle compte. Ça y est, c'est à vous de le libérer. Ça fait longtemps que j'attends ça. Regarde surtout pas, Stéphane, je t'en supplie, ne me regarde pas. Stéphane, ne regarde pas. Je t'avais dit de ne pas regarder. Rudy, Rudy. Est-ce que tu sais où on est? Oui. Et où tu habites? Oui, par là. Il suffit de suivre ce chemin. Peux-tu y aller tout seul? Oui? Bien, alors, vas-y. Allez, vas-y. Rudy. Je t'ai dit de t'en aller. Restez là. Restez où vous êtes. Je ne voulais pas qu'il le tue, vous savez. Oh non, je ne voulais pas qu'il le tue. Thank you.
Oui, Madame Hart. Oui, bien sûr, je comprends. C'est gentil de votre part. Oui, je vous remercie. Dites-lui... Non, ne lui dites rien, je vais passer le voir. Oui, oui, j'arrive tout de suite. C'est ça. Oui, j'arrive. Ça ne va pas? Ah si. Si. Ça va bien. Très bien. Mais tu ne veux rien prendre? Non, non. Je dois m'en aller. Excuse-moi, je suis très pressé. Mais où vas-tu? Où je vais? Je vais embrasser mon fils. Quoi? Ton fils? Mon fils. Oui, il a 10 ans. J'ai cru ne plus le revoir. Il est sauvé? Oui. Il est en vie. Ah, Dieu merci. Quoi? Je suis très heureuse. Vous allez revenir? Non, je ne comprends pas. Tu sais que... Tu sais qu'il y aura toujours de la place chez nous pour tous ceux que tu voudrais y voir vivre. Tu as compris, Dolores? Mais j'ai un enfant. Je sais. C'est gentil de lui faire savoir à son réveil que nous avons retrouvé sa valise. Entendu. Dans combien de temps à peu près, M. McGill sera-t-il guéri? Nous l'autoriserons à sortir d'ici d'environ 3 semaines. Dans ce cas, vous voudrez bien le mettre dans une chambre particulière. Comme vous voulez. Et vous enverrez les factures chez moi. Comptez sur moi, Mme Hornsby. Merci. Pour quand devrais-je lui annoncer votre prochaine visite? Ce sera ma seule visite. Au revoir. Au revoir.